deux heures pour Valparaiso. C'était le port. C'était le port le plus riche. C'était le but. C'était l'escale. On l'a beaucoup chanté. Un coup de ciseau à Panama l'a remis à sa place au fond du sac côté Pacifique. C'est toujours un port. Valparaiso, Chili, 300 000 habitants entre la cordillère et l'océan. Ce n'est pas le plus riche. Mais il vit. Il vit bien. Une ville commerçante vit avec lui, par lui, en bas, au pied des collines. Sur les collines, une autre ville existe. Pas une ville, une fédération de villages. Un par colline, 42 collines, 42 villages. Pas une autre ville, un autre monde. Deux mondes qui communiquent par les rampes, par les escaliers, par les ascenseurs. On prononce affreusement à la française Valparaiso, c'est Valparaiso, la vallée paradis. Paradis d'une étape ensoleillée après les cauchemars de la traversée pour les marins qui la baptisèrent. Ou dernière étape avant le paradis. Dans cette ville, tous les jours à midi, le soleil accomplit ses prodiges. Toutes les femmes de Valparaiso, porteuses d'ombrelles, sortent pour promener tous les pingouins de Valparaiso. Tous les ponts aboutissent en plein ciel. Toutes les maisons sont triangulaires, impossibles à meubler. Tous les escaliers s'arrêtent à mi-colline. Il faut remonter ou s'envoler. Avec le soleil, la misère n'a plus l'air d'être la misère. Les ascenseurs n'ont plus l'air d'être des ascenseurs. Tel est le mensonge de Valparaiso. Son mensonge, c'est le soleil. Sa vérité, c'est la mer. Thank you.
créé, forgé, peuplé par les marins. Ici, les traces sont anglaises, la Banque de Londres, les Arcs de Triomphe, le signe du lion, l'armée du salut, et peut-être une qualité inférieure de whisky. La France a offert au Nouveau Monde la galanterie de ses corsaires et la dernière des sociétés secrètes, l'Alliance française. Les Espagnols ont baptisé la ville. Ils l'ont convertie, adoptée, épousée. Elle les a trompés avec les Hollandais. Elle continue. Mais toutes les nations maritimes lui ont laissé un petit souvenir. On y trouve ce qu'on trouve justement dans les maisons des marins. Le souvenir de Casablanca, le souvenir de Singapour. Combien de maisons sont des souvenirs de bateaux, jusqu'à ce que, n'y tenant plus, elles deviennent bateaux elles-mêmes. Monte l'escalier, 121 marches. Il le sait, il les compte. Il faut avoir le cœur solide et aussi une bonne mémoire. La rampe descend 10 fois plus vite que l'escalier. La descente va 10 fois plus vite que la remontée. On descend en riant. On monte en étouffant. C'est drôle, c'est fatigant, c'est abominable, joyeux, inhumain. Solennel, ridicule, bizarre. En haut, trop de gens. En bas, très peu. Dans une heure, le contraire. Prise et reprise sans cesse, comme le fort de Douaumont. Une activité de guerre ou de grande manœuvre, avec assaut, sortie, percée, repli, victoire, déroute. Et quelquefois des trêves. Thank you.
On ne meurt pas de faim au bord de la mer. Il y a les poissons. Mais les poissons ne volent pas. Alors les ascenseurs encore. Très pittoresque les ascenseurs. Mais c'est d'eux que dépend la vie des gens d'en haut. Et tout ne monte pas avec eux. L'eau, par exemple, qui manque. Pourtant, le linge flotte. Les filles ont des blouses blanches. À quel prix, les blouses blanches? Les visages propres, lorsque l'eau arrive par gobelet. À quel prix les choses les plus simples? La toilette, la cuisine. À quel prix la volonté de vivre? À quel prix le bonheur? Passe par les ascenseurs. Ils sont une trentaine. Très peu d'accidents, mais des pannes. Jusqu'à la réparation, la vie de toute la colline est perturbée. Contrôleurs et machinistes voient défiler toute la ville. Ils en connaissent mieux que personne l'aventure et les secrets. Ils sont les gardiens du musée des collines. La colline s'appelle colline du baron, de la croix, du papillon, des religieuses, des laitières. Plus on monte sur les collines, plus les gens sont pauvres. Au sommet, les pauvres des pauvres. À la ceinture de chaque colline, de grandes maisons en fer noir et rouillé, des châteaux des pauvres. Comment vivre? Les collines sont contre eux. Les enfants ne prennent pas l'ascenseur pour économiser quelques sous. On a besoin de l'eau, du gaz, d'une école, d'une clinique, d'une canalisation. D'abord, de l'eau. Quelques-uns ont fabriqué une solution avec du fer et de la corde. Mais le problème se pose pour tous. La junta de la colline, sorte de conseil des citoyens, se réunit. Il faut faire quelque chose. Como para dar solución a este problema, era necesario interesar a organismos públicos y privados, se presentó al señor intendente de la provincia un informe con los antecedentes recogidos. Este se mostró vivamente interesado. Luego intervino la colline. El comité coordinador ha tenido conocimiento de que la Corby y los propietarios no se ponen de acuerdo. Esto significa un retraso muy grande para nuestra aspiración. Necesitamos el agua ahora mismo. Estas tramitaciones se arrastran y no terminan nunca. No se pare la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión y dispuestos a la lucha entraremos en acción. ¡Sí!
Ça brûle bien. Toute la population masculine appartient en fait au corps des pompiers. Les maisons de bois, plus le vent. Le vent souffle dur là-haut. C'est bon pour sécher le linge, c'est moins bon pour les poumons des enfants. Du moins l'air est-il pur et transparent. Tel est le troisième élément de Valparaiso, l'air des collines. Qui serait quelque chose comme son regard. Comme le regard de ce peuple calme, courtois, un peu mélancolique, ami des animaux et des plaisirs tranquilles, sur lequel on aime poser le même regard calme, courtois, ami. De cette ville de marins, un peuple de cavaliers. La boucherie sur la colline s'appelle Buffalo Bill. Valparaiso, à Viña del Mar, un cheval a gagné le Grand Prix. C'est son heure de gloire qu'il en profite. Après 5 ans, le cheval entre dans le jeu de la ville, en haut, en bas, en haut, en bas. Mais là-haut, la boucherie Buffalo Bill attend sa viande. Une croix noire sur un cheval, c'est le signe de la mort. Et les yeux du cheval cilent de peur. Car il sait. Les hommes, eux, ne savent pas. Ou ne veulent pas savoir. Ils se croient un avenir immortel, en bouteille bien close. Quelque chose, du moins, restera d'eux. Quand l'inquiétude les touche de son nez froid, l'instinct les mène vers la chaleur et la lumière. Tel est le quatrième élément de Valparaiso, le sang. Et c'est sa mémoire. Mémoire des corsaires.
Hawkins, Drake, Joris de Spielbergen, torture et pillage. Mémoire des Espagnols, torture et pillage, et l'oppression coloniale pour des siècles. Mémoire des incendies. Les éléments relèvent les hommes, après le feu, la mer. Mémoire des tempêtes. Des bateaux de Jules Verne jettent au rivage des naufragés de Gavarni. Et la ronde continue. L'Angleterre soutient l'indépendance du Chili. Isabelle II d'Espagne fait bombarder la ville, dernier sursaut du colonisateur frustré. À son tour, la terre s'ouvre. Tremblement de terre, déluge, incendie, cyclones et pillages, tel devait être le destin de ce peuple pacifique. Et ce n'était pas fini. Mais qu'est-ce qui finit? Les sirènes n'ont pas fini de chanter dans le port. Elles sont là, attentives. Elles écoutent. Elles attendent. Ni l'alphabet des pavillons, ni le mouvement régulier des navires ne semblent répondre à ce qui fut l'aventure de Valparaiso. Mais la nostalgie de l'aventure d'hier est un moyen commode de fuir l'aventure d'aujourd'hui. Sur ces collines, où va commencer au premier bon vent le grand championnat des cerfs-volants, avec ses duels, ses feintes, ses triomphes, l'aventure, c'est de conquérir des maisons habitables, des jardins cultivables, la justice. C'est l'aventure d'aujourd'hui. C'est une autre image de l'aventure et les petits-enfants des constructeurs joueront peut-être aux constructeurs comme nous avons joué aux corsaires. Goodbye, farewell, hardy lega, adieu Bordeaux, hurra au Mexico. Au Cap Horn, il ne fera pas chaud, au Reway ou la chalet, à faire la pêche au cachalot, al matelot et au liceo. Adieu misère, adieu bateau, hurrah au Mexico.